Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du jour. On commence par regarder d'abord un nouvel épisode de notre série La Famille Tout Écran qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. On découvre ça dans un instant. Et puis elle est là en plateau avec nous aujourd'hui. Elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est là. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippe. Ça va ? Aujourd'hui, on parcourt avec vous la longue histoire de l'éducation et ce grâce à une bande dessinée sortie aux éditions des Arènes. Absolument. Elle est intitulée L'incroyable histoire de l'éducation et sur 250 pages. Elle nous fait parcourir des milliers d'années d'histoire dont vous saurez absolument tout. Tout. Et puis on est le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et pour l'occasion, en amont de la cérémonie officielle des Margaret, au cours de laquelle seront révélées les lauréates de la 12e promotion Championing Women, la JFD dévoile aujourd'hui ses finalistes. Et il le fait ici, dans l'émission. Leurs innovations et capacités à créer de la valeur pour nos sociétés ont convaincu le jury, composé d'experts du numérique, de la tech et de l'économie. Et l'une des finalistes est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Apolline. Bonjour. Apolline Imbleau, vous avez 17 ans, vous êtes la fondatrice du projet éco-finaliste donc des Margaret Junior et vous êtes venue aujourd'hui en plateau accompagnée de Delphine Rémy-Boutan. Bonjour Delphine. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver en plateau. Vous êtes la fondatrice de la JFD et du prix Les Margaret. On en parle dans un instant, juste après le focus. Et au programme aujourd'hui, on regarde un nouvel épisode de la série La Famille Tout Écran qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. C'est qui, lui ? Oula, si tu le connais pas, tu l'acceptes pas. Bah ok, je comprends bien pourquoi t'as pas d'amis. N'importe quoi, j'ai plein de potes, moi. Bah, déjà, il y a Hervé. Et y a maman. Ouais, donc c'est ce que je dis, t'as pas d'amis. Bon, je vois bien que je te saoule, là. Je vais essayer de t'expliquer tout ça plus concrètement. Bienvenue dans le grand jeu. Dois-je accepter cette demande d'amis ? Juliette, êtes-vous prête ? J'ai pas vraiment le choix. Je reçois une demande d'amis. D'un copain de ma classe que je vois tous les jours, que je connais. J'accepte ou pas ? Oui, j'accepte. Bonne réponse ! Vous recevez une demande d'amis de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, et comme par hasard, il a les mêmes goûts que vous. J'accepte ou pas ? Non, je refuse. Bonne réponse ! Attention, dernière question. Dois-je accepter une demande d'amis venant de papa ? Non, alors là, c'est la honte. On peut recevoir des premiers contacts de toutes parts, par texto, sur les réseaux sociaux, par les consoles, les tablettes, les jeux. Il ne faut pas accepter en ami une personne que l'on ne connaît pas. C'est très risqué. Papa, arrête de m'envoyer des invitations. Allez, sois sympa, accepte-moi. J'ai deux amis. Allez, tout autre chose à présent. Vous le savez sans doute, l'éco-anxiété touche de plus en plus de monde et en particulier les jeunes. 59% des 16-25 ans dans le monde en souffriraient. Les médias en parlent même comme étant le mal du siècle. Mais l'une des finalistes du prix Les Margaret Junior a décidé d'y répondre à sa manière. On découvre son projet tout de suite dans la première partie du talk. Et elle est là aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Apolline Imbleau. Je rappelle que vous avez 17 ans, vous êtes la fondatrice de ce projet éco et finaliste des Margaret Junior. D'abord, on va poser la question à Delphine Rémy-Boutan qui vous accompagne aujourd'hui en plateau, la fondatrice de la JFD et de ce prix, les Margaret. Delphine, connecter les femmes de la technologie et les encourager à oser, à innover, à entreprendre aussi pour pallier leur sous-représentation dans ce domaine, c'est au cœur de vos actions depuis des années déjà. Dans cet objectif, vous avez notamment créé ce prix, les Margaret, qui récompensent chaque année des femmes entrepreneurs et intrapreneurs dans le monde entier grâce au digital. Quelle est votre ambition initiale avec ce prix ? L'ambition, elle est double. Elle est, un, de rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes dans le numérique, le monde de la technologie en général, hein, puisqu'on est sous-représenté dans ce... Encore aujourd'hui. Et donc c'est de rappeler ce constat. Et ensuite, c'est de donner envie aux jeunes filles, aux femmes, bah justement, d'aller dans ces nouveaux métiers qui représentent le futur, pour que ce futur ne soit pas écrit dans l'inégalité la plus totale. On est le 8 mars et on est encore aujourd'hui dans l'inégalité sur ces sujets.
Donc, il y a encore un petit peu de boulot à faire, effectivement. Encore un petit peu. Ouais. Donc, vous mettez en avant ces femmes chaque année. Vous dévoilez ici, dans l'École du Futur, l'une des finalistes de ce prix cette année. Elle s'appelle Apolline. On est ravis de vous recevoir, Apolline. Soyez encore à nouveau la bienvenue sur ce plateau. Vous avez créé Echo. Echo, c'est une application qui vise à gérer son éco-anxiété. Projet auquel, grâce auquel vous êtes finaliste du prix Les Margarettes cette année. Racontez-nous qu'est-ce que c'est que Echo. Donc, Echo, c'est un projet d'application. Donc, qui offrirait des ressources aux personnes qui souffrent d'éco-anxiété. Donc le but, en fait, c'est de donner des ressources aux gens pour qu'ils puissent agir à leur manière et ne pas rester statiques face au réchauffement climatique. Donc on a remarqué un vrai problème de fatalité face au réchauffement climatique. Et donc je voulais inciter les personnes qui souffrent d'éco-anxiété à agir par rapport à ça. Donc vous avez créé ce projet, vous l'aviez imaginé avant d'entendre parler de ce prix Les Margarettes, ou est-ce que vous l'avez fait à cette occasion ? En fait, le projet Echo, il a commencé à être développé un peu avant donc le prix Les Margarettes. Et je l'ai développé quand j'ai participé à un programme d'échange qui s'appelle Girls Gearing Up et qui se passe en Allemagne. C'est un partenaire de Become Tech, donc une association dont je fais partie, qui promouvoit le rôle des femmes dans la tech. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ce genre d'idées. Je voulais vraiment faire un projet en rapport avec la santé mentale. C'était hyper important pour moi et avec l'écologie. Donc, ça vous tenait à cœur. On va parler d'écologie dans un instant. D'abord, je voudrais me tourner vers vous. Delphine, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet d'Apolline ? Je crois que justement, le projet d'Apolline répond à un vrai sujet, comme vous le disiez, sociétal aujourd'hui. Les jeunes ne vont pas si bien que ça, en fait. C'est le constat que vous faites aussi. Nous, cette année, on a reçu vraiment dans les candidatures des projets qui montrent que la jeunesse est inquiète. Et malgré tout, elle agit. Et elle agit. Comme le fait Apolline. Est dans l'action, exactement. Et Apolline répond à ce sujet. Il nous a plu parce que, ça met en lumière effectivement cette problématique de l'anxiété et de l'éco-anxiété. Et deux, parce qu'il va solutionner, en fait, ce problème. Donc, on est très contents d'avoir Apolline comme finaliste cette année. On a travaillé, effectivement, avec Become Tech, une association sur le terrain qui va chercher ces jeunes filles qui font, je tiens à le dire, un travail remarquable. Un travail. Effectivement. Apolline, qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler aux Margarettes ? Comment vous en avez entendu parler, d'ailleurs ? Là encore, c'est avec Become Tech, ouais. Qui est partenaire de GFD et qui a parlé du concours. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité de vraiment créer quelque chose de concret, une action concrète. Et en fait, j'ai participé cette année parce que c'était la dernière année où je pouvais participer en tant que junior. Et ça m'a poussée parce qu'après, vous auriez été trop vieille. J'ai 18 ans, donc je suis trop vieille. D'accord. Voilà. Jeanne Dreyfus, qui est notre chroniqueuse du jour, une jeune femme de 17 ans qui monte sa boîte dans la tech. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que j'aurais jamais fait ça à 17 ans. Ça m'inspire que ça signifie qu'il y a quand même une sorte de pression qui arrive très très jeune pour devenir, pour entreprendre, et que l'anxiété peut-être a trait au fait que l'enfance n'est plus sereine, mais qu'elle est liée à un besoin d'agir économiquement parlant pour créer son futur. Donc je comprends que tu sois un peu anxieuse. C'est une bonne question d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, Apolline, que si vous n'aviez pas croisé quelque part la route de Delphine ni du prix Les Margarettes, est-ce que vous vous seriez lancée dans l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, mais je pense pas que j'aurais commencé déjà à échafauder des projets aussi jeunes. C'était pas dans mes buts à la base, et donc le fait d'avoir un concours, ça m'a vraiment poussée à agir, en fait, tout simplement. Votre projet porte donc sur la lutte contre l'éco-anxiété. Ce sont des émotions qui sont difficiles à gérer aujourd'hui quand on est jeune. C'est quoi ? C'est de la peur, de la colère, de la crainte de l'avenir ? Je pense que c'est un mix de tout. Ouais. Il y a beaucoup de rancœur aussi par rapport à la société de manière générale. Et on se sent, je pense, en tant que jeune, très délaissé par... on nous laisse un monde qui est un peu en suspens et on ne sait pas si ça va pouvoir évoluer dans le bon sens, quoi, je pense. Delphine, qu'est-ce que, quand ces jeunes filles qui postulent aux Margarettes, justement, se lancent dans l'entrepreneuriat avec un projet comme celui d'Apolline, quelle est leur motivation principale ? Est-ce que c'est cette envie, quelque part, de changer le monde, d'avoir un impact positif, justement, sur l'environnement dans lequel elles évoluent, avoir un impact positif ? Oui, alors, toutes les Margarettes et les finalistes ont en commun, depuis 2012, c'est cette envie de changer le monde grâce à la technologie. C'est ça qui
qui les caractérisent. On les choisit pour leur projet de rupture, on les choisit pour leur innovation, en prenant des paris technologiques, audacieux. Donc ce qui nous intéresse, c'est effectivement des projets d'impact qui vont changer le monde demain, après-demain, et participer à ce que le monde aille mieux grâce à la technologie vue par un autre regard. Celui des femmes. Ça, c'est sûr. Celui des femmes et celui des jeunes. Jeanne Dreyfus, je vois réagir. Du coup, comment ça marche, cette application? Qu'est-ce qui est proposé quand on est pris d'une crise de panique éco-anxieuse? Donc d'abord, on a des ressources pour se calmer. Des choses, des affirmations, de la méditation, je pense. Après, ce n'est pas encore exactement fixé ce qu'il y aura. Mais le but, c'est vraiment de donner des ressources d'abord pour... calmer son anxiété de base et ensuite pouvoir agir en trouvant par exemple des missions locales ou des choses dans notre périmètre qui nous permettent d'agir directement. Ah, c'est intéressant. Donc on peut s'engager avec Eco. Oui, c'est le but. C'est ce que vous souhaitez insuffler comme sujet auprès de votre génération peut-être aussi. Oui, parce que je pense que du coup on a beaucoup d'anxiété tout simplement par rapport à ça, mais l'anxiété ça c'est de la peur et donc ça nous empêche d'agir parfois et c'est trop fataliste et je voulais quelque chose qui nous permette d'agir directement. C'est ce que vous voulez porter, Delphine. Apolline aujourd'hui est finaliste du prix, on a deux finalistes. Si Apolline remporte le prix, elle sera justement accompagnée pour grâce à tous nos partenaires. C'est ce que j'allais vous demander, ce qui se passe après. Mais justement, dites-nous, elle sera accompagnée avec quoi? Des experts? Elle sera accompagnée pour que son projet devienne une réalité. Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes à quel stade, Apolline, de votre projet? C'est surtout des maquettes et l'idée principale avec des détails dessus, mais pas encore quelque chose de fixe. Donc il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Et ce que vous proposez justement avec ce prix, c'est de l'accompagner. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce prix et... qui est le seul prix tech au féminin sous le haut patronage du président de la République française. C'est important, les lauréates de chaque promotion, cette 12e promotion qu'on a appelée Championing Women à l'aube des JO, remportent chacune 1 million d'euros en équivalent accompagnement, stratégie, visibilité médiatique, et tout ça pendant un an. D'accord. Les deux finalistes vont être sur les pas de Alia Semia, qui a remporté le prix en 2020, qui aujourd'hui a créé son entreprise. Donc nous, notre rôle et notre mission, c'est de les accompagner pendant un an pour qu'elles ensuite elles passent en fait à l'étape d'après. L'étape supérieure. Effectivement, Delphine, si la féminisation, je vais y arriver, de l'entrepreneuriat est encore à la traîne, c'est justement, vous l'expliquez, parce qu'encore trop peu de collégiennes et de lycéennes comme Apolline rêvent de devenir entrepreneurs. Il y a donc aussi ce sujet qui revient souvent, mais c'est important, des rôles modèles, ces femmes dirigeantes que vous mettez en avant chaque année avec les Margaret notamment et que vous présentez aux jeunes filles que vous accompagnez, c'est l'une des clés du succès du changement pour vous, Delphine ? Je crois qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Et je pense que les jeunes filles aujourd'hui ont besoin de voir des rôles modèles accessibles, des rôles modèles de jeunes filles de leur âge aussi. Et c'est pour ça qu'on a créé, au moment du Covid, cette catégorie junior, puisqu'on a 3 catégories au prix, entrepreneur, intrapreneur et les juniors. Et puis cette dimension aussi internationale pour que ces jeunes filles voient aussi des rôles modèles en Afrique. Et puis depuis l'année dernière, on vient de lancer au Canada également. Canada. Et donc cette mission internationale, cette ambition internationale qu'ont toutes les entreprises de la tech, nous on y répond en faisant que toutes ces jeunes filles et femmes en fait rentrent dans une famille. Et c'est important parce que être entrepreneur, c'est sportif, c'est pas simple. Il y a des hauts et des bas. Vous allez nous raconter. Ouais, et c'est important d'être dans un réseau bienveillant, dans un réseau de personnes engagées qui veulent aider tous les projets à éclore pour cette catégorie junior. Révéler les femmes. On continue d'en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. We'll be right back.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités, Apolline Imblot, 17 ans, fondatrice du projet ECHO et finaliste Les Margaret Junior, et Delphine Rémy-Bouton, la fondatrice de la JFD et du prix Les Margaret. Juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Réfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'une bande dessinée signée Eva Rollin et Jean-Yves Segui, éditée aux Arènes, qui retrace l'histoire de l'éducation. L'incroyable histoire de l'éducation, même, puisque c'est le titre de cette incroyable bande dessinée créée à quatre mains par l'illustratrice Eva Rollin et le spécialiste de l'éducation Jean-Yves Segui. Leur objectif, comprendre comment on a appris à apprendre, et ce dans un style drôlatique, mais tout en interrogeant assez sérieusement l'enseignement depuis ses origines. Et les auteurs se posent la question de l'éducation avant même l'invention de l'écriture, avec les hommes des cavernes par exemple, dont on imagine en fait que l'éducation était basée sur l'imitation largement. Et cette BD, elle va à la rencontre des grands pédagogues de Jean-Jacques Rousseau, ou des grands aussi théoriciens de l'éducation, de Jean-Jacques Rousseau à Maria Montessori, grandes figures qui se sont tout au long de l'histoire questionnées sur est-ce qu'il est préférable de suivre un apprentissage appliqué aux problématiques futures de la vie professionnelle, ou de développer au contraire un bagage intellectuel se valant en soi. Est-ce qu'il faut accumuler les connaissances, ou est-ce qu'il vaut mieux développer les capacités à leurs racines, ou encore faut-il se baser sur la curiosité naturelle de l'enfant, ou alors lui inculquer des choses par la force, même parfois par la terreur. Oh non. Toutes ces questions se posent. C'est des questions justement qu'on se pose depuis toujours en fait. C'est même l'idée, même à la base du concept d'éducation. Dès les Romains, l'apprend-on dans la bande dessinée, il s'agit de sortir de l'état de nature. C'est même l'origine du mot ex ducere, qui signifie conduire à l'extérieur pour faire grandir, ou du terme érudit, ex, qui vient de ex rudis, rudis signifiant brut, sauvage, donc sortir de cet état brut et sauvage de notre nature primitive. Et c'est en tout cas chez les Romains, et bien sachez-le, vu comme une chance inouïe et un temps de repos pour les élèves que d'aller à l'école. Justement, on y fait une trêve temporaire par rapport au temps rébarbatif des travaux quotidiens et physiques. L'école, j'en finis avec cette petite leçon d'étymologie, ça vient du latin scola, qui signifie loisir et repos. Mais oui, il faudrait peut-être commencer d'ailleurs à apprendre cette étymologie, oui. Ce poids étymologique à nos élèves avant qu'ils rentrent en classe. Pas sûr que tous les élèves aient en tête cette étymologie justement. Comment elle évolue l'éducation au fil des siècles, Jeanne? Est-ce qu'il y a de grandes tendances ou pas du tout? Alors, la grande tendance, c'est le lien entre éducation et religion, et ce à partir de la fin de l'Antiquité romaine, et évolution qui va particulièrement marquer vous savez qui, évidemment, ce sacré Charlemagne, bien sûr, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, comme le dit la chanson, que je ne sais pas si tu connais cette chanson ou pas, de France Gall. Elle est peut-être un peu vieille. Mais alors, dans le livre, on apprend qu'il n'a pas techniquement inventé l'école, ce sacré Charlemagne, mais il a largement contribué, en tout cas, à la multiplication de ces écoles sur tout le royaume carolingien, dans l'objectif
d'évangéliser les populations et d'unifier les populations de son royaume. Et pour ce faire, il va avoir une autre idée folle, ce sacré Charlemagne, celle d'inventer la Caroline. C'est nos lettres minuscules qu'on utilise encore aujourd'hui et qui va faciliter l'apprentissage et la lecture des écrits religieux auprès des garçons et des religieux en charge de leur enseignement. Alors, vous nous parlez, Jeanne, des garçons, mais les filles dans tout ça? Eh bien, c'est une problématique qui est en pointillé de tout cet ouvrage. L'éducation, c'est un long chemin pavé d'une inégalité millénaire en ce qui concerne l'accès de l'éducation des filles, de l'accès, oui, des jeunes filles à l'éducation, avec quelques avancées significatives, parmi lesquelles l'école de Saint-Cyr, qui a été créée sous Louis XIV, réservée aux jeunes filles nobles sans fortune, ça arrive même aux jeunes filles nobles d'être sans fortune, puis celle des maisons de la Légion d'honneur, hein, créée sous Napoléon cette fois, pour les filles dont les pères militaires avaient été décorés par cette Légion qui avait elle-même été créée par Napoléon, Philippine. Vous n'en ignorez rien. Mais évidemment, tout ça, ce ne sont que des avancées épiphénoménales. Il faut attendre 1836 pour que l'enseignement primaire soit accessible et autorisé aux filles. Il faudra attendre 1880 pour que le secondaire, cette fois-ci, soit accessible aux filles. Et même avec ces lois, eh bien, les filles n'ont pas le droit de passer alors le baccalauréat. Et les enseignements ne sont pas les mêmes, hein, pour les filles et pour les garçons, jusqu'aux ouvrages même qui diffèrent d'un sexe à l'autre, jusque dans les années 50-60 quand même. Bah alors justement, je suis curieuse, Jeanne, vous me connaissez, comment les auteurs font-ils finir justement cette belle histoire de l'éducation? Alors par un bilan qui est aussi entre force et faiblesse de notre système éducatif. Faiblesse, d'ailleurs, notamment en ce qui concerne les écarts socioculturels particulièrement criants dans les résultats des élèves en France. L'ABD, elle cite le classement PISA de 2018 qui constatait, pour ce qui est de l'impact des écarts sociaux sur les résultats des élèves, un indice de 107 pour la France, quand la moyenne des autres pays de l'OCDE était de 89. Mais aussi les forces, parce qu'on ne va pas finir sans une note d'espoir, et notamment amenée grâce aux nouvelles disciplines comme les neurosciences, qui nous renseignent par exemple sur les effets néfastes, terriblement néfastes, du stress sur l'apprentissage du point de vue purement chimique, avec une production de cortisol par exemple dans le cerveau. Et évidemment, il n'y a pas de solution miracle. C'est sûr que cette BD ne va pas résoudre 4000 ans d'éducation. Mais en tout cas, il y a une invitation à prendre le meilleur de chaque approche, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit sociale, et dans laquelle il faudra aujourd'hui compter sur, par exemple, une individualisation toujours plus grande permise par les avancées technologiques des EdTech. Mais ceci, nous disent les auteurs, c'est une histoire qui reste à écrire. Rendez-vous donc dans 500 ans pour la sortie du tome 2. Mais bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, Jeanne. Et puis, ben, c'est sûr qu'avec Jeanne, on se couche toujours, toujours beaucoup moins bête. On va continuer à parler des femmes et de l'éducation dans un instant, dans la deuxième partie du talk. Et si vous n'étiez pas encore en courant, oui, les femmes peuvent changer le monde. Et pour le faire, elles ont aujourd'hui un outil extraordinaire entre leurs mains qu'elles n'avaient pas à l'époque de la chronique de Jeanne dont on parlait, le digital. Et un prix notamment pour les invités à entreprendre et à casser les codes, les Margaret. On continue d'en parler avec nos invités en plateau aujourd'hui. Apolline Humblot, 17 ans, fondatrice de ce projet éco et finaliste Les Margaret Junior. Et Delphine Rémy-Boutan, fondatrice de ce prix Les Margaret et de la JFD. On parlait avec vous, Delphine, de la féminisation de l'entrepreneuriat, des rôles modèles. Je me tourne maintenant vers vous, Apolline. Est-ce qu'il y a une femme qui vous inspire, un rôle modèle auquel vous aimez vous identifier? Je suis très inspirée par les femmes artistes, de manière générale, parce que j'aimerais bien devenir moi-même une artiste. Et je les trouve très particulières dans leur manière de s'exprimer. Et une femme qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est Yayoi Kusama, qui est une artiste japonaise très connue aujourd'hui. Donc vous la connaissez peut-être pour ses grandes structures avec des poids, partout. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. D'accord. Et donc c'est une artiste que j'admire beaucoup parce qu'elle a réussi à dépasser ses obsessions et les choses qui la tourmentaient. Déjà, c'est une des premières femmes artistes japonaises reconnues. Qui a réussi à s'extirper du patriarcat pour s'affirmer, affirmer son point de vue. Elle a fait beaucoup de performances aussi. Et elle avait beaucoup de problèmes de santé mentale, d'hallucinations, etc. Et elle a pourtant réussi à en faire une force. Et c'est ça que j'admire beaucoup chez elle. Rôle modèle. Aujourd'hui, les femmes ne sont en effet que 24% à travailler dans le secteur du numérique et 11% à occuper des postes à responsabilité, tandis que les filières dédiées au numérique sont occupées à 80%.
13% par des hommes, selon les chiffres de la grande campagne de la Journée de la Femme Digitale 2120, la parité n'attend pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, on manque de rôle modèle, Apolline, d'inspiration à votre âge ou de parcours auquel les jeunes filles, notamment, peuvent s'identifier ? Oui, c'est clair. Je pense que les femmes ne sont pas toujours incitées à entreprendre, et surtout dans le numérique. C'est encore quelque chose qui est hyper disproportionné. Pourquoi, selon vous ? Je pense que c'est lié au fait qu'on n'a jamais associé les femmes aux innovations de manière générale. On a toujours associé les femmes à un second plan. Et aujourd'hui, ça change grâce au rôle modèle, justement, mais on a besoin de plus de rôle modèle pour que... Il y a des femmes de mon âge qui arrivent à aussi entreprendre. Ouais. Delphine, il faut qu'on parle aussi d'autocensure, parce que quand je vous entends, Apolline, l'autocensure, elle concerne aussi toujours et principalement les jeunes collégiennes et lycéennes. Vous en parlez très justement, Apolline. Comment est-ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, toutes et tous, au-delà des rôles modèles, dire, montrer que tout est possible pour elles aussi, qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, qu'elles ont tout autant, évidemment, leur place que les garçons pour se lancer ? Bah, je crois que nous, on le fait depuis 2012 avec la JFD, bien sûr. L'accélérateur de croissance internationale, des femmes et jeunes filles qui changent le monde. On le fait bien sûr au travers le prix Les Marguerites, ça donne confiance, ça booste, ça leur donne envie de se dire, en fait, si elle y arrive, moi aussi je peux le faire. Tout est possible à celui qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Et justement, ce prix Les Marguerites en hommage à Margaret Hamilton, cette codeuse de la NASA qui a fait que l'homme a marché sur la Lune, ou l'humanité a marché sur la Lune. Il faut le rappeler, toutes ces... quand tu disais, Apolline, que les femmes ne sont pas liées à l'innovation, la tech, le numérique, c'était les femmes qui étaient aux manettes dans les années... avant que le numérique prenne ses lettres de noblesse et que les hommes s'y engouffrent et qu'on reste à ce chiffre de moins de 30%. Pourquoi on n'en parle pas ? C'est parce que c'est une histoire qui est un peu moins sympa à raconter, c'est une histoire de storytelling avant tout. Cette place que les femmes ont pris, mais qu'en fait, on ne raconte pas des années plus tard. Oui, alors, de toute façon, l'invisibilisation des femmes, elle existe et elle est tellement présente, en fait. C'est, ouais. dans n'importe quel secteur, même si la tech, le digital n'est pas un secteur, c'est presque aberrant de dire secteur numérique. C'est vrai. Aujourd'hui, la technologie touche tous les secteurs. Donc oui, il y a cette notion de... Quand on dit notion d'autocensure, ça veut dire qu'en fait, c'est culpabilisant, parce que ça veut dire que c'est notre faute si on prend pas notre place. Or, notre place, il faut la prendre. Ouais. Et quand on la prend, il faut la garder. Mais je crois que c'est notre moment à nous, les femmes. On a sans doute raté le virage digital. Mais avec l'intelligence artificielle, je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui peut bouger. Donc, faire prendre aux femmes. Soyons optimistes. L'optimisme de la volonté, on va y arriver. C'est important. Et la relève est assurée. La relève est assurée. Jeanne Dreyfus. Et juste, quelle est la deuxième finaliste ? Quel est le projet de la deuxième finaliste ? Alors, la deuxième finaliste, elle s'appelle Zoé. Et son projet, c'est un projet pareil d'écologie, mais qui répond en fait, pas sur la partie anxiété, mais qui va répondre en fait à une problématique d'écologie au travers du gaming, et pouvoir mesurer en fait quelles sont notre empreinte carbone, si on prend le train, etc. Oui, donc c'est un thème qui est quand même récurrent. Ah, c'est un thème très récurrent. Ah, très ouais. Récurrent. Ouais, l'environnement. Apolline, Delphine disait sur ce plateau rapidement il y a quelques semaines que l'ambition est un mot féminin qu'il faut se réapproprier et auquel on doit désormais associer une idée, une conduite de vie pour les femmes. L'ambition, un mot trop masculin ou aujourd'hui encore ? Rapidement. Oui, je pense que c'est beaucoup associé au rôle modèle masculin encore, qu'on a tous en tête, des entrepreneurs à succès qu'on voit partout, tout le temps. Et les femmes, en fait, sont juste... pas présente, tout simplement. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment besoin, surtout les jeunes de mon âge, avoir des groupes de sororité, avoir du soutien. Donc là encore, je parlais de Become Tech tout à l'heure, et en particulier, par exemple, de Aya, qui est une ambassadrice qui m'a aidée à formuler mon projet, me donner des conseils. Tout ça, c'est ce genre de choses dont on a besoin pour qu'on se réapproprie l'ambition aussi. Et plus qu'on ait ce phénomène du coup d'autocensure dont on parlait, où on a l'impression de prendre trop de place, en fait.
Bah, c'est tout le message qu'on porte, en tout cas, dans cette émission spéciale pour le 8 mars. La cérémonie, on le rappelle, c'est le... La cérémonie, c'est le 11 mars. Et c'est Zoé, pardon, parce que je voulais quand même dire son nom de famille, c'est Zoé Palfer-Solier. Et elle a 16 ans. Et son projet, c'est Coach 2, voilà, pour mesurer et réduire son empreinte carbone. C'est le 11 mars. Qui va gagner à la BPI. Eh bah, c'est ça, bah, rendez-vous le 11 mars, justement. En attendant, on est le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de l'École du futur. Apolline Humblot, 17 ans, fondatrice du projet ECO et finaliste des Margaret Junior. On vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas, quoi qu'il arrive dans vos projets. Et puis Delphine Rémy-Bouton, fondatrice de la JFD et de ce prix, les Margaret. Merci aussi à Jeanne Dreyfus, la longue histoire de l'éducation grâce à la bande dessinée. Merci, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve tous les jours et notamment demain à 12h30 sur School TV. Bonne journée.